Allez, c'est parti pour le premier DIY. Donc j'aurai besoin de ciseaux, d'un patron en forme de papillon, de feuilles de couleur, d'un crayon à papier. Pour commencer, je viens prendre mes feuilles de couleur et je vais venir les plier en deux. A l'aide de mon patron, je vais tracer le contour sur une moitié. Je viens ensuite le découper. Je fais ça une deuxième fois afin de créer un papillon recto verso. Je viens ensuite à l'aide de colle coller les deux parties ensemble. Et ensuite, à l'aide de boules transparentes que vous pouvez trouver un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs, je vais venir le glisser à l'intérieur et assembler la deuxième moitié afin de créer une boule. Et ensuite, à l'aide d'un morceau de ficelle, je vais venir attacher le tout pour être sûr que ça ne se détache pas. Et maintenant, vous pouvez le placer où vous voulez en décoration. Le deuxième DIY est, je pense, le plus simple et celui qui demande le moins de matériel car il vous suffit d'avoir une perforatrice, donc moi j'ai bien évidemment choisi papillon vu que c'est le thème, et plein de papier, donc moi j'utilise des chutes de papier. Et comme pour le premier DIY, vous allez placer toutes vos petites formes dans une sphère en plastique et l'attacher avec la ficelle. Et voilà le résultat. Donc vous pouvez vous servir comme déco et les accrocher un peu partout où vous souhaitez, par exemple contre un mur. Pour ce troisième DIY, on va commencer par tracer des papillons sur un morceau de papier. Donc moi j'ai choisi des papiers qui viennent de chez Action. Donc je vais faire le contour avec mon crayon à papier et ensuite je vais venir les découper. La deuxième étape va être la peinture, donc pour ça je vais utiliser une petite toile que j'ai trouvée également chez Action. Ensuite je vais prendre de la peinture bleue, mais vous prenez la peinture de votre choix, et de la peinture blanche. Donc je vais commencer par peindre la totalité de ma toile. Et après, à l'aide d'un pinceau mousse comme ceci, un peu éponge, je vais venir tremper dans la peinture blanche et essorer un petit peu le pinceau sur le bout de ma palette. Et je vais venir réaliser des petites traces comme vous le voyez sur les images. Et la dernière étape va être l'assemblage. Donc je vais fixer mes papillons sur la toile. Donc je vais commencer par le plus grand et finir par le plus fin. Et je ne vais pas les coller sur la totalité, je vais juste les coller vers le milieu afin de créer du relief.
Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez l'accrocher sur le petit chevalet qui est vendu avec. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me suggérer des idées de DIY pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à bientôt !